Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour ma vidéo des favoris du mois de février. Donc on est le 28, donc forcément c'est la fin du mois. Et il est temps de faire un petit récapitulatif sur tous les produits que j'ai aimés ce mois-ci. Donc pour commencer, grosse révélation en termes de mascara ce mois-ci. Donc il s'agit d'un mascara Estée Lauder, à ma grande surprise. C'est un mascara qui, pendant un moment, est en avant-première chez Marionneau. Je ne sais pas encore s'il est déjà sorti sur les autres enseignes. Il s'agit du mascara de chez Lauder, le Somptuous Infinite. Donc là, en fait, je l'ai en taille voyage. Mais en fait, c'est le Somptuous Infinite. En fait, ce que vous avez, c'est une brosse en plastique. Donc je ferai sûrement une revue dessus à vous montrant mon application sur ma frange de cils, mais c'est un mascara que je trouve absolument génial puisque il a une très bonne séparation de cils, une très bonne longueur et il se travaille bien en plusieurs couches. Et j'aime beaucoup son résultat en général, tout simplement. Pour moi, c'est un très bon mascara. Ça a été vraiment une découverte en ce mois de février. Donc également découverte de ce mois de février. Bon, par contre, je vais vous parler de plusieurs produits de cette marque que vous avez déjà sûrement entendu parler, malheureusement, qui se trouvent pas forcément en France, donc il faut commander à l'international, particulièrement aux États-Unis pour trouver. Donc mon eyeliner préféré de ce mois-ci, c'est le Lorac Front of the Line Pro, donc qui se présente comme ça. Donc c'est un eyeliner que j'aime bien parce qu'en fait c'est un pinceau fin, la même fineur qu'une pointe feutre encre. C'est pas vraiment une encre, c'est pas vraiment du liquide, c'est entre les deux, la pointe est géniale, il n'y a pas de sécheresse à l'application, c'est fluide et ça a une excellente tenue, ça ne bouge pas, ça ne bave pas. Honnêtement, le meilleur eyeliner que j'ai jamais essayé en sous forme de stylo depuis bien 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 longtemps. Donc vraiment celui-ci, vraiment un must. Donc le Front of the Line de chez Lorac. Également de chez Lorac, que j'ai commandé tout également sur eBay. Donc la palette Lorac Pro, mais pas la Pro Pro, parce que je l'ai la Pro Pro. Ça, c'est la Pro To Go. Donc en fait, vous avez dans la première rangée des fards à paupières. Donc pour un smoky bronze et noir. Pas doré et noir, mais bronze et noir. Et en fait, en dessous, vous ouvrez comme ceci. Et là, vous avez poudre bronzante et deux couleurs de blush. Donc c'est génial. Vous avez quelques pinceaux dedans qui sont des pinceaux plutôt utiles, honnêtement. C'est pas des pinceaux un peu pourraves en mousse. Là, on a vraiment du bon pinceau. Vous voyez, tout se replie comme ça, comme un éventail. Et c'est vraiment très pratique, c'est vraiment la palette que j'ai tout le temps dans ma trousse de maquillage depuis ce mois-ci, qui me permet vraiment de, si j'ai pas envie de faire des maquillages différents, je prends ça, j'ai tout dedans pour faire mon smoky bronzé noir. Et j'ai du blush et j'ai de la poudre bronzante. Donc aujourd'hui c'est ce que j'ai mis de la poudre bronzante ici, bronze, et la couleur rose qui s'appelle pink ici, donc qui est juste génial. Donc honnêtement, topissime cette palette, une pigmentation au top. Par contre, un peu cher avec les frais de port et tout ça, le côté, on est obligé de prendre à l'international, mais pour moi, c'est une palette qui méritait que j'aille la chercher si loin, j'ai envie de dire. J'ai également la Lorac Pro, mais ça, je vous ferai une revue peut-être plus tard, parce que je viens de la recevoir, donc je vous en dirai ce que je pense de la Lorac Pro, la classique. Donc ensuite, également favori de ce mois-ci, donc vous avez déjà vu une revue, donc c'est de chez Too Faced, c'est le produit pour les sourcils, le Bulletproof Brows dans la teinte Universal Brunette, donc qui devient vraiment mon produit à sourcils de tous les jours que j'adore. Donc même là vous voyez je le porte, je trouve vraiment que ça définit bien les sourcils sans être vraiment trop paquet mais en même temps très défini, très rempli. Je trouve ça juste génial, donc honnêtement j'adore ce produit et ça a été mon favori en ce mois de février. Donc également dernier petit favori de ce mois-ci, c'est une couleur particulière de vernis à ongles. Donc il s'agit des vernis à ongles comme vous les reconnaissez, les bourgeois une seconde. Mais cette couleur-là particulière, c'est la couleur 34 Violine Hypnotique. Donc c'est une couleur absolument sublime. Parce qu'en fait on est sur un violet avec des irisés, des paillettes, mais très subtiles, vraiment des irisés, des micro-paillettes rouges qui donnent des reflets. Moi c'est la couleur que je porte aujourd'hui, on voit pas très bien mais... c'est une couleur absolument sublime, donc si vous voulez que je fasse des swatchs, je vous les mettrai les photos sur mon blog des swatchs de cette couleur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des favoris principaux de ce mois-ci. Également en favori, donc au niveau des soins, mon favori ce mois-ci, c'est ma nouvelle crème de jour. Donc c'est plus le plus irritant matifiant de chez Clarins, quoique je l'aime toujours. C'est la Kirines Caresse d'équilibre. Donc qui est une crème pour peau mixte à grasse. Donc c'est une crème contrôle pureté. Donc c'est une crème avec une odeur très agréable, très fraîche, qui va vraiment traiter et contrôler la pureté d'une peau mixte à grasse tout simplement. Et c'est une crème que vous mettez matin et soir. Et elle est juste géniale. Et j'adore Kirines. Donc finalement c'est ma crème de jour favorite de ce mois-ci. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de février. Donc si vous voulez voir plus de photos des produits que je vous ai parlé, je vous les mettrai dans un article sur mon blog que vous avez le lien juste en bas. Et en attendant, pour continuer de suivre mes vidéos, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!